C'est pour ça qu'il me fait rire. Je ris en pensant à la tête que tu vas faire quand je vais te dire. Car je vais te le dire. Primo, le ça recommence, c'est déjà de trop. Et deux yeux, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux, je les sens. Le conseil des ministres a été plus long que prévu. Excusez-moi, mon général, monsieur le ministre, excellence. La bibliothèque, maman, angoissée, j'entends un cri. Il est là! T'es pas su pardonner. Est-ce que j'ai l'air d'un pigeon? Mais ça tombe pas du ciel, ma petite fille. Les femmes autour de moi s'esclaffant de mes saillies. Et la petite Catherine qui te cherche? Moi, pas un mot. Avec le coup de grêle qu'on a eu la semaine dernière. Vous prenez ça avec un peu d'eau. Je finis toujours à 4 heures. Et si vous m'interrompez tout le temps, moi je perds le fil. Giscard aussi, d'ailleurs. Mais t'es malade, toi? Non, oui. Je t'en prie, ne nous ont pas remarqué, je suis sur une affaire extrêmement délicate. Maître Vassembert, du barreau de Paris. Bas les masques. Victor Gautier va marcher à visage découvert. Monsieur Gautier, avec vous, j'ai tendance à croire ce que je vois. Ma mère était une danseuse célèbre. Son père était jardinier à Villandry. Mon père n'était pas jardinier, il était garde républicain. Moi, je pensais qu'avec 500 millions, nous pouvions vivre à plusieurs. Folleuse. Est-ce que je vous dis que l'argent est là? Ouvrez. Non. Marie-Charlotte, mon sort est entre vos mains. Les feux de position. Pardon? L'escabeau. J'ai oublié mes essuie-glaces. Et tu as tout essayé? Pratiquement tout. Si tu lui filais une tempe. Oui. Oui. Salope. Chienne. Endive. Il y a du céleri en branche dans le frigidaire. Ça, tout le monde m'a dit que ça marchait. Pourquoi pas des carottes râpées? Alors, j'en ai assez, moi, de recevoir des ordres. Mange tes beignets, ouvre la fenêtre, mets tes feux de position, bouche la glace, allume les lumières, toutes vos cochonneries. J'espériez peut-être trouver un clown, madame. Eh bien, c'est raté. Ouvre, j'entends ta porte.